Take your chance, be now. 今目覚めるほど戦う遺伝子。 Wake up, 一か八か桁外れの衝動。 You can do it.複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せるインダナイト豪華なメンツ秒読み to the fight 宇宙の外れ巨大な荒野で忍者ぶりで沈む大地響きだと轟く闇 Nothing can stop you now運動Take the tension. Get your heart. どうもない石だ Wake up. 乗るか揃るかどうもないアクション断崖ギリギリ半直前まで Salut tout le monde, c'est Thomas Soli, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente sur Raging Blast 2, Dragon Ball. Donc on va commencer de suite la vidéo détente, je peux invoquer Shenron. Donc voilà, vous allez assister à l'invocation de Shenron, ou Chiron. Ah non, moi je croyais que c'était le gros. Toi qui régnais cette boule de cristal, fais ton vœu à présent. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Temple enfer, c'est des cartes ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte. Essayons. C'est gagné une nouvelle carte, planète. Ok. Allez, ciao. Bon, là, dans cette vidéo détente, ce qu'on va faire, c'est que on va faire simplement le mode galaxie. On va faire quelques histoires que j'ai toujours pas terminées dans le mode galaxie. Vous allez voir. Alors, mode galaxie, voilà. Voilà, donc là on va continuer l'histoire de Végéto. Après on fera peut-être celle de Boo, de Broly ou de Vegeta Super Saiyan 3. Enfin, on fera des intéressantes parce que je vais pas vous mettre par exemple l'histoire de Videl ou qui a juste après celle de Végéto quand même. Alors c'est parti. Alors là je prends quel combat? Je prends celui-là. Vaincre l'ennemi dans l'absence pour augmenter. Joueur commence en tension avec une unité de santé. L'adversaire frappe plus fort. On va s'équiper d'objets. Alors les objets ça sert à augmenter l'attaque ou la défense ou la puissance des vagues d'énergie, des boules de feu. Donc voilà, donc augmente énormément la puissance des enchaînements. Donc là, quand je frapperai, je donnerai des coups plus forts. Donc là, je mets cela. Moi, j'ai plus 13, voilà. Alors. Alors là, il y a Piccolo, Goten et Trunk. Difficulté normale. Oh, ça devrait passer tranquille. J'arrive pas à parler. Alors là, il faut faire l'enchaînement des boutons parce qu'après je crois qu'il y a un trophée dessus. Alors c'est parti. Hop là, on lui fait pas de cadeau, rien à foutre. Et voilà. Le pauvre. Ah, il a pas eu une seconde de répit, le pauvre. Donc là, il me demande d'exécuter une transformation. Je vais le faire. Écoutez, on va le faire. Oh, laisse-moi me transformer. On va essayer de faire ce qu'il nous demande un peu. Ensuite, exécuter au moins. Oh, facile. C'est parti. Voilà. Oh. Oh. Alors frapper, ouais, ok, donc c'est parti.
C'est ça qu'il demande. Voilà. Frapper avec l'attaque spéciale. Ouais, donc c'est juste ça. Voilà. Exécuter un combo d'au moins 13 000 dégâts. Écoutez, je pense que l'attaque ultime, elle enlève plus de 13 000. Je pense même que c'est obligé. Donc, on va faire ça. Ouais, ça devrait passer là. Oh, on va lui refaire. Ah non, il est mort. Ah d'accord. Ben, on va le faire à Trunk alors. Pardon. Alors. Je fais que de la connerie là. J'essaie de faire un truc qui n'est pas possible. Voilà. Donc là, 13 000. Allez, voilà. Voilà. Vaincre l'ennemi avec une attaque ultime. Oh, il faut que je le refasse, quoi. On va croire que je spam après. Écoute. Faut pas me saouler. Là, on va aller vers lui direct. Voilà. Et tu m'esquives pas, moi. Bon, mais là, ça doit être fait. Voilà. Et donc là, on a fini. On a tout rempli. Il a la classe, quand même. Un de mes persos préférés. Oh, il a pas duré assez longtemps. Gagné, j'ai gagné quoi? Vous avez gagné un nouvel objet. Annule auto-perte de santé 2. Ah oui. Donc en fait, il y a certains combats. Il y a certains combats où on perd de la santé continuellement. Et donc ça, je pense que si je mets cet objet, ben, je perdrai pas de santé en fait. Tout simplement. Vaincre les guerriers. Bon. Ça devrait passer. Ça devrait. On va l'enchaîner, on va pas le lâcher. Merde. En fait, c'est toujours les mêmes combinaisons, donc à un moment, on les connaît presque par cœur. Hein. Alors, ça va être chaud. Oui. Oh là là. Wokong. Oh, il m'a fracassé. Écoute, tu pourrais pas me lâcher un peu s'il te plaît? Même en multi, ils sont moins forts les gens. Tiens. Non mais je vais gagner. Enfin, je pense. Je dis ça mais je suis pas sûr. Voilà, j'ai gagné. C'est bien ce que je disais. Sangohan, tu as perdu parce que tu as dit. Alors, j'ai jamais su. Ça, vous pouvez peut-être dire dans les commentaires. Mais quand il y a une fusion, comme Gogeta, Végéto, c'est qui a le dessus? Parce que je crois qu'il y a une règle, c'est celui qui est le plus fort. C'est celui qui contrôle le... Enfin, c'est dur à expliquer. J'arrive pas à expliquer. C'est qui contrôle le Végéto, en fait. Végéta ou Sangoku? Je sais pas si vous avez compris. Alors là, c'est le dernier combat. Les combats avec l'aura. Enfin, ouais, l'aura, on va dire. L'aura autour du cercle, ben, c'est le combat du boss. Donc, dès qu'on fait ce combat, qu'on gagne ce combat, ben, on a, on va dire, à moitié terminé ce perso. Puisqu'on aura une étoile B. Et pour terminer complètement le perso, il faut une étoile jaune, je crois. Vous avez gagné un nouveau mouvement, partie parfaite. Donc là on gagne des points, donc je peux m'équiper d'autres objets. Je vais le faire maintenant. Vaincre l'ennemi qui devient de plus en plus faible.
Ouais. Ça, je connais. Donc, en fait, au début, il est extrêmement fort. Et puis, plus sa vie elle descend, plus il est nul. On le fracasse, quoi. En gros, on le fracasse, oui. Alors, j'ai 19 points. Je pourrais rajouter ça pour faire marrant, pour être marrant. C'est quoi? Non. Ça me sert à rien. Je pourrais rajouter ça, c'est marrant. Auréole. En fait, il aura juste une auréole au-dessus de sa tête. Objet de défense, non. Une truc qui augmente. Voilà. Donc là, on commence le combat, on a directement notre barre de ki entière. C'est mieux. Là, on sauvegarde. Alors, début. Allez, on va faire un enchaînement de touches là. C'est parti! Merde, merde! Ah, oh, je me suis manqué. C'est pas grave. Allez. Donc là, tant mieux si je l'enchaîne au début parce qu'il va devenir de plus en plus faible. Donc il va se faire éclater. Oh non, j'ai essayé de faire un truc bidon là. Ta 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 ta. Oh là là, l'enchaînement. Il a rien capté. Derrière, devant, derrière, devant. Derrière. Meurs. Ouais. Assez facile quand même. Si j'arrive à l'enchaîner dès le début, après, le combat il est trop facile quoi. Voilà quoi. Faut que j'arrête de dire quoi. Attention, je bouge un peu le micro. Voilà. Vous avez gagné un nouveau mouvement. Super Végéto, bouclier Saiyan. Une boule de cristal. Donc en fait, dès qu'on finit une histoire de quelqu'un, on gagne une boule de cristal, tout simplement. Donc j'en suis à la troisième, je crois, invocation de Chiron. Au début, j'ai invoqué le normal, après j'ai invoqué Porunga. Et là, après, j'ai réinvoqué Chiron. Donc ça veut dire que le prochain, ça sera Porunga. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai débloqué l'histoire de Janemba et je l'ai débloqué aussi en perso. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai fini le jeu, mais je l'avais fini sur mon ancienne play. Et comme j'ai oublié de copier les données de ce jeu sur de mon ancienne play à ma nouvelle play, j'ai tout perdu. Et donc je recommence tout. C'est magnifique. Donc on va pas faire l'histoire de Videl. Hein, je pense il y a combien de combats? On va voir combien il y a de combats déjà. Il y a deux combats, donc est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Bon, on l'a fait, allez. On est fou, on l'a fait en vitesse. Au moins vous allez voir la différence entre Végéto et Videl. C'est un truc de fou quoi. Un truc de fou. Déjà comme elle bouge, j'aime pas. Hein. C'est parti! Me fait que se téléporter en fait. Oh non, j'aime vraiment pas son gameplay. Ouais. En fait, c'est même pas marrant de jouer avec elle. Ok. On va faire juste un combat avec elle. Je supporte pas. Je supporte pas son gameplay. Je vais pas quitter quand même. Elle peut charger son énergie quand même. Très lentement, mais elle le fait. Enchaînement de Videl. Bim. Hop là, enchaînement désespéré.
Guldo, c'est vraiment. C'est vraiment des persos de fou, ça. Enfin, de fou. Des persos qui servent à rien, quoi. Je sais pas ce qu'il a eu, ce qu'il y a pris l'auteur à inventer des persos comme ça. Oh! Pas vrai. C'est quoi cette technique après là? Coup de pied au visage. D'accord. Oh, lui va s'arrêter de me lancer ses rochers maintenant. C'est en train de me saouler là. Voilà. Oh. Des techniques qui est qu'elle a, mais c'est trop nul quoi. Et non, je supporte pas son gameplay. C'est un truc de fou. Elle a 4 techniques en plus. Oh, lui fait que ça lui. Ouh. Il me lançait que des rochers. Non, on va quitter son histoire. Yes. Voilà, ça je les ferai quand je serai bon en vidéo. Parce que ça doit, déjà ça doit vous saouler. Vous. Ouais. Sauvegarde. Hop là. Alors. Radis n'a pas, on s'en fout. Freezer, non. C'est non. Je sais pas. Peut-être Broly. Ah non, il y a l'histoire de Broly Super Saiyan 3. Ah, on va faire celle de Super Vegeta, voilà. Ah, c'est bon. Il y a 2 combos en plus. Voilà. C'est un perso que vous voyez que dans ce jeu. Donc on va en profiter. Puisque dans ma vidéo où on a fait les combats avec Fares, on l'a pas mis. Vous voyez, il ressemble à Sangoku, mais. Enfin, il fait Super Saiyan 3, quoi. Ah, il est mort. C'est de l'express là. Sel. Il est en forme parfaite. On attaque. Boum. Bim. Bim. Finish. Elle est rapide son histoire. Ouais, Vegeta quoi. Oh, j'ai pas fini. Ouais, y a pas beaucoup de combats. Il y en a que 3. Vous avez gagné un nouvel objet. Un nouvel objet, ouais. À chaque combat, ils me disent que j'ai gagné un nouvel objet. En fait, il fallait que je les batte juste avant de 50 secondes. D'accord. Donc ça, c'est un combat normal. Pardon. J'ai mal à la gorge. Prépare-toi, Pell. Tu ne retiendras pas mes coups. Eh ben moi aussi, je ne retiens pas mes coups. Tu peux le constater maintenant. Écoute, on va faire ça. Méthode express. Ah non! Là, il est un peu pris la confiance. Un peu beaucoup même. C'est pour ça que je vais devoir le calmer. Hop là. Oh non, mais c'est pas normal. Pourquoi il fait Big Bang en technique normale et il fait Canon Garrick en technique ultime? Ouais. Moi, j'aurais plutôt fait l'inverse. Dernier combat.
dernier combat, après je pense que je vais vous laisser. Parce que même pas la peine que je vais en ligne. Parce qu'en ligne, j'ai vu de ces gens, c'est injouable. À part entre amis, c'est injouable. Ça fait que spammer Kamehameha. Ou alors ça fait une technique bizarre. Vous n'allez pas comprendre, mais je le dis quand même. En fait, ils se mettent au-dessus de votre tête et c'est extrêmement dur après de sauter à côté d'eux pour les frapper. C'est quasiment impossible en plus. Et puis eux, ils chargent un coup et ils nous enchaînent quoi. Donc là, c'est des combats qui n'ont pas d'histoire. Bon, en même temps, Vegeta Super Saiyan 3, il n'existe pas dans le manga. Voilà, c'est un peu comme ça, voilà. Un peu en haut, comme ça, là. C'est la galère, quoi. Regardez où il est. Sauf que dans le multi, ils sont plus forts, quand même, que... Donc... Arrête-toi de m'esquiver. Oh, non. Écoute. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'il va morfler. Voilà. Ah, tu veux faire ça? D'accord. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Non, parce que là, je vais regarder, c'est Canon Garrick sa technique. Voilà. Et là, j'ai juste à faire ça. Final Flash. C'est fini. Bon, en fait, il est même pas touché, mais il s'est pris le bout de mon attaque, donc ça lui enlève la vie, quoi. C'est bizarre, ça. C'est bien, mais c'est bizarre. Non, voilà. En fait, on débloque plein de combats. Une boule de cristal, ouais. Oh, une image. Super Saiyan 3. Je suis pas con, et quand même, il n'existe pas dans le manga. Donc, que je dise pas de bêtises, quand même. Ah, pas. Peut-être, non. Dans Dragon Ball GT, il n'y est pas non plus. Dans Dragon Ball Z, c'est sûr qu'il n'y est pas. Mais dans Dragon Ball GT, je sais pas. Et non, parce qu'il a, il a la barbe et tout, là, il est bizarre dans Dragon Ball GT. La moustache ou la barbe. Oh là là, déjà 21 minutes? Oh, ça passe vite. Ouais. Je pense que je vais vous laisser là sur... Sur la fin de l'histoire de Vegeta. C'est trois gros combats. C'était trois bons ennemis. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo détente, elle vous a plu. Parce que je l'ai fait à la base parce qu'on me la demande. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde. C'était Thomas Soli.